Salut, c'est Retro Greg et bienvenue pour cette nouvelle vidéo challenge Incredit. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, donc maintenant je vais en faire une. Donc cette fois c'est sur 1943, The Battle of Midway. Donc voilà, un petit jeu d'arcade super sympa qui était sorti en 87, donc ça fait partie de toute la série des 19 4X, donc il y en a eu plusieurs, 42, 43, 44, ils ont dû faire à peu près toutes les années, donc il y en a eu beaucoup, donc voilà, je ferai les autres aussi parce que j'adore. Donc là voilà, donc c'est un jeu qui était sorti donc en 87, donc sur arcade. Ils ont aussi sorti donc des versions sur Amiga, CPC, Atari ST, Commodore 64, Spectrum, sur NES, CPC Engine, si je me souviens bien. Donc voilà, challenge à crédit, comme d'habitude, on met un crédit dans la machine, pas plus, et je vois jusqu'où je peux aller. Donc en général, comme on a vu sur les autres vidéos, en général pas bien loin, mais bon, on va voir. Donc sans plus attendre, je démarre. Donc c'est un shoot'em up, voilà, c'est pour ça que l'écran est un peu écrasé, c'est normalement un écran vertical, il me semble, sur cette borne d'arcade. Il me semble que je l'avais vu tourner une fois et... c'était un écran, voilà. C'est pour ça que l'écran est un peu écrasé, mais c'est pas grave. Ah, ça par contre, fallait pas que j'utilise. Donc voilà, le but c'est juste de buter tous les avions japonais. Les petits avions, c'est des avions japonais. En fait, on est un avion américain au-dessus de la bataille du Pacifique. Et donc, on bute tous les avions, voilà. Donc c'est pour l'instant rien de bien compliqué. J'aurais peut-être allé un petit peu plus loin à ce jeu-là, parce qu'en général, les shoot'em up, j'arrive à me démerder pas trop mal. C'est à voir comment ça va se passer. Je sais pas, j'ai un timer en bas, je sais pas quoi c'est du. Ouais, je récupère des petits upgrades au passage. Voilà, c'est pas un jeu qui est très compliqué pour l'instant. Ah, c'est mes munitions pour mon pouvoir, d'accord, le truc que je suis en train de demander ce que c'était. Alors ça c'est pas terrible par contre, je préfère largement l'arme que j'avais avant. Et du coup ça fait quoi? Voilà, ça détruit tout le monde. Du coup ça diminue la barre, on a un petit pouvoir. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu là. Du coup, je le trouve toujours aussi sympa. Voilà. Il y a le contact de surface force, c'est ce qu'on fait. D'accord, donc là, c'est parti. Surface avec les petits effets de zoom. Ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Là ça commence à attaquer. En plus j'ai perdu mon arme spéciale, ça commence à attaquer les parties un petit peu plus dures. Mais pour l'instant il n'y a rien d'insurmontable. Alors j'espère que j'irai un petit peu plus loin que les autres vidéos. Là, du coup, le pouvoir spécial échange, ça fait un raz de marée. Pour les bateaux c'est efficace, alors un raz de marée pour les avions, à moins qu'ils volent extrêmement bas, je suis pas très sûr que ce soit efficace, mais bon. Pourquoi pas après tout. Voilà, ça c'est une bonne arme ça. Le Treeway, moi j'aime bien. Je trouve que c'est. Voilà. Dans les jeux comme ça, les shoot'em up qui proposent un Treeway. Voilà. C'est vrai qu'après on n'a pas beaucoup de munitions, il faut que je fasse gaffe aussi. Mais qu'est-ce que j'ai? Je me suis bourré de boutons. Ah, ça devient un peu plus compliqué. Ah voilà, je suis un peu crevé. Continue 10. Ah bah voilà, non, bah, donc c'est déjà fini. 2 minutes. J'ai tenu 2 minutes, c'est ça? Ah, c'était minable. Ah oui, on a qu'une vie en fait dans ce jeu-là. Game over, ah bah ouais, donc voilà, challenge un crédit extrêmement court, je me suis dit pour l'instant c'était facile, et en fait non, pas du tout. Enter your initial, est-ce que c'est la peine? Je crois que je vais prendre la peine de le faire pour une fois. Donc voilà, c'était Retro Greg pour un challenge un crédit. Ce qui explique pourquoi j'en fais pas beaucoup, hein, c'est parce qu'en général je suis nul. Voilà, le premier est nul, tout à fait, c'est moi. Donc bah voilà, c'était tout pour cette vidéo, alors ce fut très court. Je ferai des vidéos, je crois, sur les jeux d'arcade sans faire le challenge incrédit parce que là, vraiment, c'est minable. Donc sur ce, bah voilà, je vous laisse et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!